Bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous, bonjour. Ça dépend à l'heure que vous allez suivre ce message, donc bonsoir, bonjour. Dans le pays dans lequel que vous allez recevoir ce message, voilà, que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Voilà, nous voulons encore continuer à partager la parole du Seigneur, partager l'évangile, partager ce que le Seigneur nous donne de donner, de partager pour l'édification du corps de Yeshua de Nazareth. Donc on est là aujourd'hui le dimanche, hein, dimanche 20 mars, voilà. Les jours défilent tellement vite, le temps passe tellement vite, tout est en accéléré. Voilà, on vit qu'une fois sur la terre. La parole nous dit que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Et ces choses, nous devons vraiment les considérer afin de vivre selon la parole du Seigneur tout au long de notre vie et de se repentir, de faire la paix avec le Seigneur, de bâtir notre intimité dans le Seigneur et être intime avec lui. C'est vrai que c'est dans l'intimité que nous allons recevoir la force pour surmonter les combats. Voilà, tout ce qu'on peut subir, c'est dans l'intimité que nous recevons cette force pour pouvoir résister à toutes ces choses qui arrivent sur le monde, à tout ce qu'on peut vivre aussi dans notre vie de tous les jours, nos combats, nos pressions, nos difficultés, nos montagnes que nous rencontrons afin de les gravir. Voilà, c'est par la grâce de Jésus-Christ, il a un dos large, comme on dit. Voilà, il est vraiment présent pour nous, puissant pour nous. Frères et sœurs, frères, faut bâtir sa vie sur le Seigneur. Il faut bâtir sa confiance sur le Seigneur, bâtir son cœur. Toute ta vie, notre vie doit être bâtie sur, voilà, l'homme de Galilée, voilà, le Nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mes amis, qu'il est bon d'appartenir au Seigneur, qu'il est bon de vivre sa parole, qu'il est bon de l'adorer. Et de ne pas de fuir la compromission, peu importe ce qui va t'arriver, peu importe le rejet que tu vas avoir, peu importe les moqueries, peu importe les insultes, peu importe tout ce que tu vas subir, voilà, nous ne devons pas donner place à la compromission. Vous voyez? Il n'y a pas de compromis avec Jésus, il n'y a pas de compromis avec la Bible. Voilà, le Seigneur, il est sans compromis et nous devons être comme notre maître. Voilà, nous devons être sans compromis. Voilà, comme notre Seigneur, il est saint. Nous devons être saints comme il est saint et rechercher cette sainteté, rechercher à lui plaire en tout temps. Amen. Vous avez pu voir le titre, hein? Rassurez-vous, c'est pas moi le Messie. Voilà. Voilà, c'est pas moi le Messie. Le Messie, il a un nom. Le Messie, il revient bientôt. Le Messie, il a vaincu la mort. Le Messie est glorieux. Voilà, le Messie, c'est notre Père, notre époux, il est tout pour nous. Et le Messie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Messie des Messies, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Waouh. Et chaque jour, chaque jour, on essaie de lui plaire, on s'efforce de lui plaire. Voilà, malgré nos défauts, malgré voilà, nos faiblesses, on essaie de lui plaire, on se bat. Voilà, parce que il faut se sauver. Il faut se sauver de cette génération qui est perverse et corrompue. Et plus le temps passe, plus on peut croire que le Seigneur ne va pas revenir. On peut croire que ouais, le monde peut nous faire croire que oui, on s'est trompé, voilà, Jésus, c'est faux, Jésus, c'est une supercherie, Jésus, c'est pour les faibles, Jésus, c'est pour les pauvres, Jésus, c'est pour ceux qui veulent croire en quelque chose, voilà, qui ont, peur de quelque chose, donc ils vont se réfugier. Mon ami, tout ça, c'est des bêtises. Il y a un créateur qui a créé des fleurs, là. Là, les fleurs commencent à pousser, regardez, c'est quelqu'un a créé ça. Il y a un processus qui est là, quelqu'un a créé ça. Vous voyez, quelqu'un a créé tout ce qui est sur la terre, quelqu'un a créé quelque chose, toutes ces choses qui sont magnifiques et c'est indéniable.
Donc, croire en lui, c'est là la vraie, la vraie intelligence plutôt, je dirais. C'est de croire qu'il y a quelqu'un en dessous de nous qui est vivant et qui a un nom, parce qu'il se révèle à celui qui le cherche. Donc, on va parler par rapport au thème qui a été donné. C'est moi le Messie, voyez. Et c'est vrai que nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes, comme on s'appelle, se réclament d'être prophètes, se réclament d'être appelés, se réclament d'appartenir à Jésus. Beaucoup de gens se réclament d'être croyants, d'un vrai croyant. Toutes ces choses. Voilà, il y a beaucoup de revendications. Papa, je remets, papa, ce temps de partage entre tes mains, papa. Seigneur, aide-moi, papa, à donner, papa, ce que tu veux, papa. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, papa, que ton esprit, papa, puisse nous assister, papa. Père, je te demande grâce, papa, pour parler selon ton cœur, Seigneur, mon roi, et non selon moi. Seigneur, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Voilà, frères et sœurs. Donc, beaucoup de gens se revendiquent d'être croyants. Beaucoup de gens crient ici et là, je suis croyant. Je crois, je crois, je crois. Beaucoup de gens veulent paraître, se donner pour être un personnage important, un personnage, qui reçoit des choses, vous voyez. Et nous sommes dans ce temps où, on le voit, les réseaux, sont remplis de prophètes, sont remplis de... Je vous dis, c'est terrible, c'est terrible. Et dans cette mare de religion, dans cette mare de prophètes, de prophéties, de toutes ces choses, de messages, voilà, il y a tellement de messages qui peuvent être véhiculés. On se dit, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, mes amis, tu vois? Parce que dans tout ça, tu peux être noyé dans une mare d'infos. Et beaucoup de chrétiens peuvent perdre le nord, comme on dit, comme perdre la direction, comme perdre le chemin de la vérité, le chemin de la vie, voyez. Et nous sommes dans cette génération où, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de chemins, beaucoup de choses qui sortent chaque temps, des choses qui sortent et beaucoup se perdent, beaucoup ne savent plus où aller. Beaucoup se posent des questions, beaucoup sont dans le doute, beaucoup sont dans des questionnements parce qu'ils entendent ici et là des choses, des messages, des paroles, ici et là des choses. Et du coup, dans le cœur, tombent des semences, ces semences commencent à pousser et ça commence à créer des choses terribles dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, mes amis. Vous voyez? Il y a quelques jours, quelqu'un m'a envoyé un message. Mais ça, qu'est-ce qu'elle me disait cette personne-là? D'ailleurs, il faut que je l'appelle parce que voilà, on ne peut pas tous vous appeler à chaque fois. Il y a tellement de messages qu'on peut recevoir. C'est vrai qu'on essaie vous répondre et on le fera dès que possible, il n'y a pas de souci. Voilà, frères et sœurs, dès que possible, on répondra à vos messages. On essaiera de vous contacter dès que possible. Voilà, c'est vrai que le temps des fois peut manquer. Mais on va essayer quand même de répondre à pas mal de mails, pas mal de questions qu'on peut recevoir. Donc un petit message que quelqu'un m'a envoyé et ça confirmait un peu tout ce qu'on pouvait recevoir. Quelqu'un disait que le monde devient de plus en plus hostile spirituellement. Exemple, tout le monde voit le Seigneur, tout le monde a un message à raconter de ce qu'il a vu de la part du Seigneur sur les réseaux, voilà, ou des pasteurs démoniaques ou autres, voilà. Et la personne disait que je pense que nous sommes dans un temps où il faut vraiment rester éveillé dans la lumière du Seigneur et dans la prière, l'intimité, voilà. En gros, c'est ça. Et ça m'a choqué parce que c'est ce qui était en train de monter dans mon cœur. Et je me dis, mais la personne m'envoie ça comme ça, quelqu'un que, par la grâce du Seigneur, j'ai dû évangéliser, je crois. Je regarde son message encore parce que, voilà. Je ne sais plus comment j'ai pu rencontrer ces personnes, mais enfin bref. Voilà, c'est pour vous dire en fait que ça confirmait en fait ce que je recevais dans mon cœur par rapport au temps que nous vivons. Et ces temps disent quoi? Qu'est-ce que dit le Seigneur dans Jean? On va prendre Jean chapitre 1,
dans un premier temps. Jean chapitre. Non, excusez-moi, Jean 14. Jean 14, d'abord, avant d'aller dans le passage que je voulais prendre. C'est moi le Messie. Nous sommes dans un temps où beaucoup de gens disent c'est moi le Messie, c'est moi qui, le messager, c'est moi qui, voilà, qui a reçu, c'est moi qui est au devant, c'est moi, voilà, écoutez-moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et on voit ce mal sur nos réseaux sociaux, on voit ça. C'est terrible, frères et sœurs. Et dans Jean 14, voilà, la Bible dit, voilà, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Vous voyez, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Ça, c'est une parole qui nous est donnée. Voilà. Et où dans la version de Bible du Semeur, c'est écrit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ça, c'est dans la version Bible de Semeur. Et on voit par là que là nous sommes dans la Bible, dans la version BJC, Bible de Jésus-Christ, et on voit par là que le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Et nous sommes dans un temps actuel où il y a du trouble, l'agitation, la peur. Et la peur fait quoi? Que la peur crée des prophéties, la peur crée des choses à mettre en place. Voyez, chez beaucoup de chrétiens, il n'y a plus l'assurance, il n'y a plus la paix, beaucoup de cœurs sont troublés. Voyez, et le trouble vient quand il y a ce manque d'intimité avec le Seigneur, quand il y a ce manque d'enracinement dans le Seigneur, dans ce manque de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cœur devient trouble. Le cœur se trouble. Et quand le cœur est troublé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'autres chrétiens vont commencer à partager leurs troubles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va commencer à semer le trouble partout dans les cœurs des gens, mes amis. Vous voyez, quand un chrétien est troublé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager son trouble ici et là sur les réseaux. Voilà, notamment ces derniers temps, on voit sur les réseaux sociaux, je vous dis que je ne vous cache pas. On voit des messages des chrétiens, voilà, qui parlent de oui, il faut partir, il faut quitter, il faut aller dans tel pays. Voilà, il faut faire des stocks, tout ça, il y a une famine, je ne sais pas quoi. Mes amis. Vous voyez comment le cœur de l'homme est troublé, frères et sœurs, le trouble. Voyez? Le trouble, pourquoi? Parce que les yeux ne sont pas fixés vers Jésus-Christ. Et quand les yeux ne sont pas fixés vers Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à mettre des méthodes en place, mes amis. Des systèmes échappatoires, des choses pour pouvoir échapper à comment dire? En fait, c'est la fin. C'est la fin, il n'y a pas d'échappatoire, mes amis. La fin, c'est la fin. La fin, c'est présenter Yeshua. La fin, c'est croire en Yeshua. La fin, c'est, comment dire, espérer en son retour. Parce que la sécurité que nous avons est en Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Et le Seigneur dit au verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » C'est là notre espérance, c'est nos demeures. C'est le royaume des cieux, mes amis. Vous comprenez? Alléluia. Notre espérance doit être fixée sur la parole du Seigneur pour vivre en paix, pour ne pas être troublé, pour ne pas semer du trouble chez d'autres chrétiens qui sont fragiles, frères et sœurs, vous comprenez? Parce que ce que nous faisons, parce que ce que nous disons, parce que ce que nous prêchons, eh bien, peut avoir des effets sur des âmes, sur des hommes, des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui peuvent les sortir de la volonté du Seigneur pour leur vie. Alléluia. Waouh! Pour leur vie. C'est terrible ça. Voyez? Beaucoup se lèvent, voilà, sur les réseaux, voilà, véhiculent des messages, voilà, parfois on peut même partager avec des frères et sœurs. Souvent, qu'est-ce qui peut revenir? Ah, tu pars quand? Oh, toi, tu pars où? Mes amis, dernièrement, j'ai dit à une personne, mais moi, je. Comment dire? Le Seigneur, c'est lui qui doit me dire ce que je dois faire, c'est lui qui doit me dire où je dois aller. Comprenez? Voyez? Parce que nous ne sommes pas sous l'Exode, nous ne sommes pas sous Moïse où tout un peuple, toute l'église du Seigneur doit converger vers un pays, vers une ville, vers un lieu bien précis, tout en masse. Mes amis, c'est écrit où dans la parole, ça, mes amis, là? Vous comprenez? Voyez?
Donc des familles peuvent être, comment dire, disloquées de cette manière. Ça peut créer des soucis, des tensions dans des familles parce que ben, on va faire des choses que le Seigneur ne nous a pas demandées. On va faire des choses qu'on nous a dites ou on a entendues. Vous comprenez? Et ça nous sort de la volonté de Jésus. Ça nous sort du chemin que Jésus nous a donné, mes amis. Vous voyez? Parce que le Seigneur a un travail à opérer dans nos vies et aussi dans la vie des hommes et des femmes qu'il a prévus pour tel ou tel individu. Vous comprenez? Donc si nous sortons du chemin du Seigneur, nous sortons, de, voilà, nous faisons autre chose que le Seigneur nous a demandé de faire, mes frères et sœurs, mais nous ne sommes plus dans sa volonté. Nous ne sommes plus sous la volonté du Seigneur et nous faisons notre propre volonté. La parole dit, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Voyez? Ne nous soumets pas à la tentation. Voyez? Et même le Seigneur dit aussi, dans sa parole, on va le prendre rapidement, voilà ce verset. Voilà, sa parole dit, voilà, on connaît toute cette prière. Hein. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez? Donc ta volonté. Donc on doit demander à ce que sa volonté se fasse dans notre vie, non notre propre volonté. Beaucoup de chrétiens font leur propre volonté. Voyez? C'est terrible, mes amis, ça. Voyez? Leur propre volonté. Waouh! Et on va prendre plusieurs passages dans la Bible, hein, par rapport à tout ce qu'on peut partager là. Et on voit par là que, voilà, parce que même par rapport à ce qu'on peut entendre, des chrétiens qui disent qu'il faut faire des stocks, il faut faire des courses, tout ça. Oui, mais pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Tu vois? Parce que si on prend un exemple de famine dans la Bible, on va voir que avec Joseph, lorsque Joseph a commencé à parler à donner la signification des songes que Pharaon a reçus, voyez, en Égypte, il a dit qu'en fait qu'il y aurait 7 années de quoi? De nourriture abondante, ensuite suivie de 7 années de famine, voyez, où il y aura très peu de nourriture. Donc en fait, on voit très bien par là que quand la période d'abondance va commencer, on peut commencer à compter, à savoir cette période d'abondance et quand est-ce que les 7 ans de famine vont commencer. Donc à ce moment-là, et bien évidemment, bien avant, ils devaient s'organiser en conséquence pour pouvoir, comment dire, passer cette famine qui arrivait, sur l'Égypte. Voyez? Donc ils devaient s'organiser. Mais si on sort des prophéties, oui, faites des stocks, faites des courses. Mais mes amis, mais qu'est-ce qu'on sème là? On sème une panique? On sème quoi? Ben, dans les cas des chrétiens, ben, en gros, comptez sur vous-même. Le Seigneur ne peut plus répondre. Le Seigneur ne voit plus. Ben, faites vous-même vos affaires. Faites des stocks, mais pendant combien d'années? Parce que si on se met à faire des stocks, on se met à faire des provisions, pendant combien de temps? Parce que quand le Seigneur parle, il parle précisément. Voilà pourquoi nous ne devons pas sortir de la parole. On ne doit pas, à prêcher des choses que nous-mêmes on peut recevoir pour soi-même, voilà, et qu'on veut généraliser auprès des frères et sœurs pour que tout le monde fasse pareil. Mes amis, c'est pas biblique, voyez. Si quelqu'un a cœur de faire des courses, des stocks, fais tes stocks, le Seigneur t'a parlé, toi, tu comprends, voyez. À moi c'est moi qui me trompe, à moi ce que c'est la parole qui se trompe, mes amis. Voyez. Donc, en sortant de tels propos, en sortant de telles prophéties, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération de prophètes, où des gens reçoivent des prophéties, des pensées, mais qu'est-ce qui vient véritablement du Seigneur? Qu'est-ce qui vient véritablement du trône de Jésus-Christ de Nazareth pour le corps de Yeshua? Oh, la parole, le Seigneur ne peut pas se contredire dans sa parole. Voyez, parce que si le Seigneur nous demande de faire des stocks, voilà, est-ce qu'il a dit ça? C'est quelque chose qu'il demande de prêcher, comment dire, à tout le monde, ou c'est quelque chose qu'il nous dit à nous personnellement? Voyez, parce que il fait ce qu'il veut, il peut nous demander de faire. Voilà, le Seigneur, il est grand, il conduit son peuple, il conduit ses enfants à faire toutes sortes de, voilà, tout ce qu'il veut que nous fassions, voilà. Et il peut demander à quelqu'un de bien précis de faire telle chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à généraliser la chose pour, comment ça s'appelle?
pour que tout le monde fasse pareil. Et quand on voit même Abraham dans la Bible, hein, on voit Abraham, le Seigneur lui dit, voilà, quitte ton pays, quitte ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit vous montrerai, mais je te montrerai. On voit par là que le Seigneur peut te demander de faire quelque chose pour toi, voyez, et on peut vouloir que tout le monde entre dans ce mouvement, dans cette chose, et que tout le monde fasse pareil. Et ça, c'est pas le message que nous pouvons donner à l'Église, voyez. Car le message que nous devons donner à l'Église, c'est tout, c'est pour le perfectionnement des saints, vous comprenez. Comme récemment, je partageais avec un frère qui me disait un peu dans les coulisses qu'il reçoit du Seigneur par rapport aux aliments, tout ça, et ce qu'il faut manger, pas manger, ce que lui il mange, pas mange pas. Et par contre, je lui dis, par contre là, mon frère, ça c'est très bien, hein, c'est très bien de faire attention à ce qu'on mange, tout ça. C'est franchement, j'aurais aimé aussi faire pareil, hein, je lui ai dit, hein, bien sûr, qu'on fasse tous pareil, etc. Par rapport à ça, etc. Mais ça, en fait, on peut pas prêcher ça aux gens, dire aux gens tel aliment, faut pas le manger, tout ça, c'est compliqué. Parce que là, on peut créer de nouvelles doctrines. C'est pas ce qu'il me disait de faire, le frère, c'est pas ce qu'il me disait. Hein. Mais en partageant, je lui disais ça, que c'est des choses comme ça, en fait, qu'on peut sortir publiquement, afin que tout le monde fasse pareil. Après, bien sûr, on peut dire telle chose, c'est pas bon, bien sûr, ça, on peut en partager. On peut le partager, pas de problème. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça, là, le Seigneur ne nous condamne pas de pas manger, enfin, la parole ne nous condamne pas si on mange tel aliment. En fait, chacun est libre et le Seigneur ne nous condamne pas, en fait, si on mange un aliment ou pas d'aliment, je sais pas quoi, vous voyez. Quelqu'un qui est végétarien, quelqu'un qui mange de la viande, qui croit en Yeshua, eh ben, les deux sont sauvés. Donc, celui qui mange pas de viande, faut pas qu'il ait un poseau au jour de pas manger de viande. Et, donc voilà. Et mon frère en question, je lui disais, dans sa maison, comment cela s'organise? Alors, on échangeait par rapport à ça. Parce qu'on peut vouloir. En fait, ça va très loin, en fait, ce que je partage là. Et donc voilà. Et il me disait que oh, sa femme, elle mange sa viande. Hein, et tes enfants, comme ils sont petits. Et il m'a dit, en fait, il fait un planning, en fait, par rapport aux nourritures. Tant de viande dans la semaine, tout ça. Je dis, ah ben c'est très bien. En tant que parent, on peut dire à nos enfants, ben, moins de viande cette semaine-là, plus de je sais pas quoi. En tant que parent, bien sûr. Mais on ne peut pas interdire à nos enfants de ne pas manger de viande, tout ça, parce que. Enfin, à l'école, s'ils vont manger à l'école, à la cantine, ça peut les désorienter, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut être équilibré, même avec ce que nous faisons dans notre vie, dans notre vie personnelle, par rapport aux gens qui nous environnent, pour ne pas en faire une doctrine imposée aux gens de telle chose, telle manière, alors que la parole ne nous condamne pas par rapport à telle ou telle chose. L'enfer, ben, on n'ira pas en enfer parce qu'on a mangé du je sais pas quoi, du je sais pas. Voilà, du chameau, je sais pas, vous voyez. C'est pour ça que la parole nous dit de manger de tout ce qui se vend au marché. Donc chacun est libre de manger ce qui se vend dans les magasins. Voilà, ce qui est comestible. Chacun est libre de manger ce qu'il veut, vous voyez. Donc avec le franc partagé à ce niveau-là, il dit, ah, c'est bien. Il m'a bien fait comprendre que c'est lui personnellement. Et je disais, amen, gloire au Seigneur. Ça, c'est beau ce que tu partages là, tu vois. Et je disais, ben, j'aurais aussi aimé faire autant de... Voilà, il m'a partagé ça, ben, c'est bien ce qu'il fait. Ben, pourquoi ne pas aussi... faire pareil dans le sens où ça c'est moi personnellement, tu vois, mais je vais pas dire aux gens ben faut manger tel aliment, pas d'ati, chacun est libre de manger ce qu'il veut manger, en fait, en vérité, vous voyez. Et c'est ce qui manque, en fait, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre chrétienté. Ben, c'est qu'on peut, comment dire, imposer des choses aux gens. Par exemple, voilà, quand on entend dire oui, enfin, aller dans tel pays, oui, ta ta ta, mes amis, mais c'est compliqué cette affaire, mes amis, là, vous voyez. Et voilà. Parce qu'on peut recevoir des choses pour soi-même. Et quand on lit la parole, on voit que la parole dit autre chose. Dans Matthieu 6, 25, par exemple, la parole dit quoi par rapport à ça? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme. Voici ce que la parole dit. Ne vous inquiétez pas pour votre âme. C'est-à-dire que même si la terre va mal, eh ben, on ne doit pas s'inquiéter pour notre âme. Notre vie ne nous appartient pas. Elle est entre les mains du Seigneur. Voyez, on doit faire confiance au Seigneur. On ne doit pas croire qu'il n'est pas là, il ne voit pas, il est vivant. Voilà pourquoi la foi, notre foi,
doit être bâti sur le Seigneur et de ne pas trembler devant les circonstances, trembler devant les oppositions, trembler devant les combats, trembler devant les attaques, trembler devant tout ce qui peut arriver sur la terre. On est des humains, c'est vrai, on peut trembler, il n'y a pas de souci. On peut avoir peur, on a des peurs, on a des choses, on a des faiblesses, c'est normal. Mais on doit se ressaisir et faire confiance au Seigneur, mes amis. Alléluia. Et ne pas véhiculer sa peur, véhiculer son trouble, véhiculer ses propres pensées, voilà, et qui peuvent commencer à créer, en fait, quoi, eh ben, une panique. Ça peut créer un trouble parmi la chrétienté, parmi les frères et sœurs. Voilà, un trouble, et on doit veiller par rapport à ça. Et notamment dans Matthieu 6, 25, on voit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme. On le reprend. Ne vous inquiétez pas pour votre âme. C'est terrible ce passage. Vous voyez? Et dans la Bible du Semeur, la version c'est quoi? Ça dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, et le corps vaut-il pas bien plus que les habits? On voit que la parole nous recommande, voilà, le Seigneur nous demande par là, de ne pas nous inquiéter, voilà, pour ce que nous allons manger ou boire. Voyez, on doit s'inquiéter pour notre salut, pas s'inquiéter, mais travailler pour notre salut. Voyez, on ne doit pas chercher en gros à s'inquiéter. Oh, qu'est-ce que je vais manger? Je vais boire comment? Le Seigneur, ben, il est fidèle. Le Seigneur est vivant et sa parole, ben, elle est là pour nous diriger. Sa parole, c'est une lumière. Voilà pourquoi nous devons être dans la parole, connaître la parole, être enraciné dans la parole, pour ne pas être ballotté dans plusieurs doctrines, vents et doctrines, etc. Et ne pas sortir de la parole en vérité. Vous comprenez? Alléluia. Vous voyez? Et parce que, ben, non, attendez, on va prendre un autre passage. Dans Luc 21. Là, on prend Luc chapitre 21. On va prendre Luc chapitre 21. Alors, Luc chapitre 21. Voilà. Verset 8. Donc, si vous prenez le chapitre 21, verset 8, la parole dit: et il dit, prenez garde que vous ne soyez pas égarés. Voyez, prenez garde que vous ne soyez pas égarés. Et dans la Bible du Semeur, la version du Bible du Semeur dit: faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Waouh! Car plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi le Messie. Ou encore: le temps est venu. La parole dit quoi? Ne les suivez pas. Mes amis, c'est terrible. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on voit des choses se passer, on voit des guerres, des bruits de guerre, des crises, des maladies. Et dans ces chaos qui se passent, eh ben, beaucoup de gens se lèvent pour dire: Dieu m'a parlé, moi. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà où il faut aller. Voilà ce qu'il faut faire. Voici. Et on est noyé dans une mare d'infos. Et la parole est mise de côté. Et les gens vont commencer à faire des choses, prendre des décisions, alors que Jésus ne leur a pas parlé, mes amis. C'est terrible. Voilà pourquoi il faut être prudent dans notre génération, prudent par rapport à ce qu'on fait. Parce que si on fait des choses et le Seigneur n'est pas dedans, frère, on va, il y aura des conséquences. Et les conséquences peuvent être terribles, mes amis. Elles peuvent être graves. Vous comprenez? Il dit, verset 8, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi le Messie. En gros, c'est moi le prophète, c'est moi à qui Dieu parle, c'est moi, me voici, c'est moi. Et il dit quoi le Seigneur? Ou encore: le temps est venu. Voilà ce qu'il faut faire, il faut mettre des stocks, il faut faire des courses, il faut remplir, il faut aller là-bas, il faut quitter, patati. Mes amis, c'est terrible, mes amis.
Et on oublie l'enlèvement, on oublie que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre, on oublie que Jésus doit revenir, on oublie que ces choses doivent arriver. Et on commence à vivre, en vérité, ben, dans la peur, dans le trouble, et on oublie l'évangile, frères et sœurs. Vous voyez ? On oublie la raison pour laquelle nous avons été rachetés. On oublie le sauveur du monde, on oublie le roi des rois, frères et sœurs. Et notre vie, ben, on commence à faire les choses par nous-mêmes. Et c'est ça le plus grave. Parce que s'il n'y a pas Jésus dans quelque chose, s'il n'y a pas Jésus dans une œuvre, on va à l'échec, on va à la mort, mes amis. Vous comprenez ? Waouh ! Et au verset 9, il dit, « Mais quand vous entendrez parler de guerre, voilà ce que la parole dit, et de désordre, le Seigneur revient, hein? Bien sûr, il revient. Ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui. On sait, voilà, voilà pourquoi il faut toujours être prêt, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Vous comprenez ? C'est terrible. Il dit, mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas, comment ? Terrifiés. C'est terrible parce que la parole nous encourage à... En fait, la parole, elle nous... Elle... C'est notre bouclier, frères et sœurs. Vous allez dire, oh non, mais c'est un orgueilleux. Oh, patati, mes amis, je vous dis la vérité. Quand tu sais en qui t'as cru, tu... on peut avoir des... On peut bouger comme ça, à gauche, à droite. Mais frère, je te dis la vérité, quand tu sais en qui t'as cru, je vous dis la vérité, tu as confiance en Jésus. Voyez, en fait, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, voilà, on peut lui faire confiance les yeux fermés, mes amis. La parole dit, c'est lui-même qui parle en plus. Hein. Et il dit, c'est pas moi qui a dit, hein. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas, mes amis, c'est Jésus-Christ, le maître, le roi, le créateur, qui nous parle, mes amis, qui parle à son église, qui parle au cœur, mes amis. Il dit quoi ? Prenez garde que vous ne soyez pas égarés. Ou faites attention, comme on l'a dit dans la version Semeur. Faites attention. Voilà. On va le reprendre rapidement. C'est très important. Il dit quoi? Faites attention. Ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie. C'est qu'on peut sortir de la parole du Seigneur et prêcher quelque chose que nous-mêmes, on veut prêcher aux gens, vous comprenez? On peut sortir de la parole du Seigneur pour prêcher une pensée qu'on a reçue et qui n'a aucun fondement biblique, mes amis, vous comprenez? Voilà pourquoi tout ce que nous prêchons, tout ce que nous entendons, nous devons vérifier si c'est écrit dans la parole, dans quel contexte ça a été dit. Et tout ce que j'annonce là ce soir, si je me trompe, ben dites-le moi, parce que voilà, on peut se tromper aussi. Voilà, on peut aussi se tromper, que le Seigneur nous aide. Voilà. Mais on voit par là que, comment dire, que dans chaque cas dans la parole, il y a un contexte. Et chaque cas, ben, on ne peut pas forcément le mettre dans chaque autre cas. C'est-à-dire que voilà pourquoi il faut prendre la parole dans son entièreté pour comprendre et discerner les choses. Alléluia. Waouh. Oh le Seigneur, merci. Alléluia, c'est glorieux. Hein, ça, c'est beau sa parole. Ça nous ramène dans l'équilibre. Ça nous ramène à marcher d'une manière... prudente et avec le Seigneur surtout, et à faire les choses selon lui, à travailler dans ce qu'il nous demande de faire clairement, sans être à gauche, à droite, devant, derrière, mais être bien précis dans ce qu'il veut pour toi. Alléluia. Il dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu, ne le suivez pas, mes amis. Vous comprenez? Et on voit par là que quand le Seigneur parle à quelqu'un, il parle clairement. Quand il a mis à part Paul et Barnabas, il leur a parlé clairement. Ils ne se sont pas levés comme ça, il faut que j'aille là-bas. En fait, le Seigneur parle à chacun de ses enfants. C'est lui la tête de l'église. C'est lui le chef de l'église, frères et sœurs. Donc le chef, qu'est-ce que dit le chef, mes amis? Vous comprenez? Voilà pourquoi nous qui prêchons sa parole, on doit la prêcher par rapport à ce qui est écrit. Je dois te prêcher ce qui est écrit. Tu comprends? Alléluia. Waouh. Pour ne pas t'embrigader dans quelque chose que moi-même je veux. Tu comprends? Mais te tourner vers la parole, t'envoyer vers la parole, car c'est la parole qui nous conduit dans la lumière, dans la vérité. Et dans Jean 14, 6, il dit quoi Jésus? Je suis le chemin. Donc le chemin à suivre, c'est Jésus. Donc dans quel chemin Jésus t'a mis, mon ami? Dans quel chemin il t'a mis? Où il te voit? Dans quoi il te veut? Tu comprends? Parce qu'il est le chemin. Il n'a pas dit c'est moi le chemin, hein. Moi Hervé. Hein. Il a dit c'est lui.
il est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux savoir la vérité, va voir Jésus-Christ. Tu vas voir la vie, va voir Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit quoi, verset 9, Luc 21, verset 9. Mais quand vous entendrez parler de guerre, on est dans ce temps où on parle de guerre, il y en a plein qui reçoivent des songes, des visions, des bombes qui pètent dans tel pays, les bombes sont envoyées, tout ça, mes amis, toute la terre est... C'est compliqué, mes amis. On est plus... C'est une époque de bombes nucléaires, mes amis. Ça peut péter partout. Ah, c'est terrible, mes amis. Ouais, voyez là, c'est terrible, frère. C'est terrible, ces affaires, mes amis, là. Si Poutine veut, Poutine envoie la bombe là-bas, en Afrique, il envoie ça au Venezuela. En fait, il peut envoyer ça partout s'il veut. Donc, où aller se cacher, mes amis? Où fuir? Hmm? Qu'on entend, oui, il faut partir là, mes amis. Tout est quadrillé. Le monde est quadrillé. Nous sommes dans un temps de nucléaire. Et il n'y a que Jésus qui peut nous protéger. Ça peut péter dans ta campagne. Ça peut péter là où tu es. Ça peut péter, mon ami. Tu comprends? Ah, c'est terrible, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, si on n'a pas les yeux vers le Seigneur, on va devenir fou. On va commencer à faire des choses. Je vous dis ici, même les païens vont rigoler. Même les païens vont dire, mais ici, qu'est-ce qu'ils font là? Vous comprenez? Vous comprenez, frères et sœurs? C'est terrible, ça. Oh Seigneur, que le Seigneur nous garde et nous aide à avancer. Vous comprenez? On va avancer dans le partage. Je crois que ça nous encourage. Moi, ça m'encourage parce que j'avais pas vu ça comme ça en fait. J'ai pas vu que la bombe peut péter même aux Antilles. Quelqu'un m'a dit l'autre fois, ouais, si ça pète en France, moi je pars aux Antilles. Mais si ça c'est... je parle en créole. Bombe là peut péter pour ta pite aussi. Il appuie sur un bouton là avec la carte. Bon, il veut cibler tel pays. Pic. Le missile est parti, mon ami. Ça pète à Pointe-à-Pitre. Mais tout le monde est mort. Hein? Donc, en fait, il n'y a pas de lieu de sécurité. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur peut nous demander à tout un chacun de faire quelque chose pour lui. Mais il ne faut pas que ce soit généralisé dans le sens où bon, on va tous quelque part, ben, il faut tous quitter. Quelqu'un dit l'autre fois, il ne faut plus avoir Internet, tout ça, mes amis. Mais c'est, je vous dis, mais c'est terrible ça, mes amis. Tu comprends? Donc, ceux qui reçoivent les prophéties en premier, ben, faites comme ça, on va regarder. Faites et on va regarder. Voyez, parce qu'il y a des alertes. Voyez, comment ça s'appelle là? Il y a des gens sur les réseaux là, des alerteurs, des alertes. Il faut qu'on envoie des alertes. Alerte. Mais eux-mêmes, ils s'alertent même pas eux-mêmes, mes amis. C'est terrible. Vous comprenez? Donc toi, ceux qui alertent là, oui, tout ça, faites, montrez vos vidéos de stock. Comme ça, on va faire pareil. Montrez vos stocks où ça en est. Dans quelle partie de la maison vous avez mis, dans les chambres, sous le lit? Dans les KGB, il faut montrer dans vos voitures, montrer vos stocks. Comme ça, on va voir que, ah ben, ils font leur stock aussi. Parce que les premiers qui donnent les prophéties, ils font pas de stock eux-mêmes. Parce qu'ils savent même pas si c'est vraiment le Seigneur. Mes amis, il faut qu'on arrête la mascarade. On doit vivre la parole du Seigneur. On doit être dans l'évangile véritable, frère. L'évangile, c'est pas un évangile où on va être aimé tout le monde, où on va être caressé ou pas. Mes amis, c'est une guerre spirituelle. La guerre, elle est spirituelle dans tous les pays. Le diable, il est. Partout, le diable, il est. Tu vois? Vous voyez? Et je revenais à Joseph. Quand il a reçu qu'il fallait faire les... Quand il a reçu l'interprétation du songe de Pharaon, il fallait qu'il fasse des provisions pendant tant d'années. Et c'était bien précis. Vous voyez? Ce n'était pas quelque chose de farfelu, quelque chose de trouble. Tout était clair. Parce que le Seigneur, quand il parle clairement. Il donne une directive claire, pas à peu près, mais claire, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, s'il fallait faire, les provisions, voilà, il fallait le faire pendant un temps qui était bien défini pour pouvoir survivre pendant les 7 années de famine. Tout était bien compté. Vous comprenez? Waouh! Et le Seigneur a donné l'intelligence à Joseph pour bien stocker, pour bien faire le stock, pour pouvoir survivre. Donc, le Seigneur, quand il donne une vision, il la donne clairement, mes amis. Il donne, il donne ce qu'il faut. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas d'argent. Il y a des familles qui c'est compliqué. Voilà. Et on a vu avec Agabus, que l'a donné la prophétie que dans acte 11 ou 4, acte 4, excusez-moi, je ne me rappelle plus. C'est dans acte.
dans acte 11 ou acte 4, je crois, voilà, on a vu qu'il a reçu une prophétie comme quoi il allait avoir une famine sur la terre. Il s'est passé quoi? Eh bien, les disciples ont commencé à envoyer des choses pour soutenir ceux qui travaillaient, tout ça, etc. Voilà, pour les soutenir. Et on voit par là que tout se fait selon la parole du Seigneur, tu vois. Voyez, selon la parole du Seigneur. On voit par là que l'Église était là pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin. Mais ce n'était pas chacun pour sa pomme quelque part. Non, c'était quelque chose où chacun soutenait les autres, en fait, en vérité. Donc, dans les temps de crise, dans les temps compliqués, eh bien, on doit se soutenir mutuellement. Voyez, mutuellement. Et ne pas avoir peur de manquer. Seigneur, je mourrai de faim, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Le Seigneur, il aide son peuple. Le Seigneur donne il parle à ses enfants, en fait, frères et sœurs. Vous comprenez? Il parle à ses enfants. Et voilà. Et tout le monde ne peut pas faire des stocks. Tout le monde ne peut pas. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est il faut faire attention aux messages qu'on libère. Voilà, sur les réseaux, les messages qu'on libère dans nos prédications pour ne pas induire les gens en erreur. Vous voyez? Pour ne pas qu'on induise les gens dans l'erreur. Et on voit par là dans Luc 21, verset 9, il dit toujours, hein, « Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. » Est-ce que sur le chat, quelqu'un peut dire sur le chat s'il a été terrifié quand elle a entendu que des bombes, des guerres, etc., ont commencé à se passer. Ah non, on va être touché ici, tout ça, etc., etc. Il faut qu'on parte d'ici parce qu'on peut être touché, c'est près de... On est tout près, tout ça, parce que, mes amis, est-ce que tu n'avais pas vu aussi que partout où tu peux aller, un missile peut taper n'importe où. Je suis sûr que très peu, on a pensé à ça. On a pensé à la proximité qu'il peut y avoir. On peut dire, oh là là, il faut partir loin là-bas parce que, mes amis, même en Amérique, là-bas, la bombe peut arriver. Tous les pays là sont armés de bombes, mes amis, c'est terrible, de bombes compliquées. C'est terrible, frère, ça pète quelque part, c'est toute la terre. En plus, si Poutine pète une bombe, toute la terre est détruite. Donc, peu importe là où tu vas aller, tu vas être atteint, mon ami, tu seras touché. Il n'y a que Jésus qui va revenir, qui va tout détruire, mes amis. Je vous dis, c'est lui qui va tout casser. C'est le Seigneur qui va tout arrêter. Voilà, qu'on va revenir avec lui après l'enlèvement, après les noces. Mes amis, après les 7 ans de noces, voilà, on va revenir avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur va mettre un terme à tout ça. Alléluia. Donc il dit, mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Donc ce soir, si tu étais terrifié, si j'étais terrifié, si nous étions terrifiés, voilà, si on était bousculés, si on ne savait plus quoi faire, voilà ce que dit la parole. Ne soyez pas terrifiés. Nous, il parle à nous là, nous. Nous, l'église, nous, ces brebis. Parce que nous sommes des pauvres petites brebis, des petites brebis comme ça, au milieu de loups. Et la parole nous dit qu'il nous a envoyé dans le monde au milieu des loups, comme des brebis, au milieu des loups. Donc nous sommes au milieu des loups dans ce monde. C'est terrible, frères et sœurs. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Donc ça doit arriver. Donc on est averti là, ça doit arriver. Tu vois, mais ce ne sera pas encore la fin. Tu vois, mais ce ne sera pas encore la fin. Waouh. Alors il leur dit, nation, voilà, nation. Attendez, deux secondes. Voilà, dans la version Bible du Semer, il dit, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Voilà. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui se passe. On voit des gens, des pays se lever contre d'autres pays, des royaumes contre d'autres royaumes. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et il dit que verset 11, il dit quoi? Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, de famine et des pestes. Il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel. Donc, en fait, il y aura des tremblements de terre partout. Vous voyez? Donc, même en France, la terre commence à trembler aussi. Il y a des endroits que la terre tremble, alors que je crois que ça n'a jamais tremblé. Donc, en fait, la terre, là, c'est fini. Tout est maudit ici. La terre est maudite. Ce n'est pas ici notre demeure finale. Notre demeure finale, elle est au ciel. Nous sommes de passage. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Notre habitation éternelle, ce n'est pas sur la terre. On ne doit pas prendre la terre comme notre cocon, tout ça. On est de passage sur la terre, mes amis. Vous comprenez?
voyez? Et donc voilà. Donc on voit par là dans tous ces passages, dans Luc 21, dans Matthieu 6, comment la parole nous conforte, nous réconforte plutôt, et nous aide en fait à nous réfugier dans le Seigneur, mes amis. Vous voyez? Et donc voilà. Et on voit par là même, même par rapport à la persécution. Parce que la persécution, on a vu quand la persécution est arrivée, ça a ramené la dispersion. En gros, plusieurs chrétiens sont partis dans plusieurs d'autres pays, plusieurs d'autres endroits, poussés par l'Esprit. C'est l'Esprit en fait qui... C'est le Seigneur qui aussi permet aussi cela pour que son évangile puisse se répandre dans les nations, frères et sœurs. Donc le Seigneur est au contrôle de son Église. Nous sommes entre ses mains. C'est magnifique ça, c'est magnifique. Il contrôle tout, mes amis. Il contrôle tout, il dirige tout. Donc c'est en lui qu'on doit s'abandonner. Seigneur, je dois faire quoi? Et je crois que c'est l'attitude de tous les chrétiens véritables. C'est l'attitude que nous devons avoir. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu penses? J'ai entendu ça, j'ai lu ça, j'ai vu ça. Seigneur, je dois faire quoi? Combien de chrétiens vont faire ça, mes amis? Combien de chrétiens vont devant le trône du Seigneur? Combien vont interpeller le Seigneur, demander au Seigneur, secouer, voilà, comme on dit, hein, demander jusqu'à quand ils reçoivent. Combien ont cette attitude? Ou bien combien vont frapper à la porte des uns des autres? Qu'est-ce que je dois faire? Tu penses que... Est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses? Et le Seigneur, on l'a mis dans le placard, et pour nous, ben, pour beaucoup plutôt, eh ben voilà, il parle plus, il n'existe pas, eh ben voilà, il n'a pas les réponses, vaut mieux aller frapper à la porte des uns des autres, et chacun nous dira qu'est-ce que lui fait, comme ça je vais faire pareil que lui, tout ça, et on devient des chrétiens clones. Oh là là, des chrétiens clones, clones, vous voyez, clones, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour cloner là, vous voyez qu'on clone, identique, vous voyez. Alors que c'est pour la diversité, en fait, que voilà, chaque chrétien a diversité de dons. Donc, en fait, le Seigneur agit différemment avec tout un chacun. Vous voyez? Parce que c'est son corps, mes amis. Le corps, ben, voilà, les pieds ne peuvent pas être les mains. Les mains, ils sont dehors, les pieds, c'est dans les chaussures. Allez mettre les mains dans la chaussure, vous allez voir ça. Tu seras un chrétien bizarre, mon ami. Les gens, si tu fais ça, ils vont dire, mais il est bizarre, lui. Il est malade. Ils vont dire, c'est un handicap, vous voyez? Donc chaque chrétien est positionné quelque part, chaque chrétien est envoyé quelque part par le Seigneur, ben pour ça, pour être glorifié. Voyez? Et on voit que même pendant la persécution, parce que beaucoup vont dire, ah la persécution, frère, la persécution, elle vient comment la persécution? On va voir ça dans acte 4, verset 1er. La première persécution est venue parce que ben, ils ont prêché l'évangile. En fait, la persécution est là quand on prêche Jésus. Donc, ceux qui ne prêchent pas Jésus, vous n'aurez aucune persécution. Vous ne serez même pas inquiétés, mes amis. C'est terrible, ça, mes amis. Donc, ceux qui sont persécutés, eh ben, c'est les gens qui vivent la parole, qui prêchent Jésus, qui marchent selon Jésus, qui vivent Jésus. Eh ben, c'est eux-là qui sont persécutés. Et allons voir l'attitude de ceux qui ont été persécutés. Qu'ont-ils fait, mes amis? Acte 4, verset 1er. Mais comme ils parlaient au peuple, survint les prêtres, le stratégos, voilà, du temple et les sadducéens, étant offensés de ce qu'ils enseignaient, voilà, de ce qu'ils enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Yeshua. Ils jetèrent les mains sur eux et les mirent en prison. Vous voyez? Donc, en fait, ils ont été en prison parce qu'ils ont prêché Jésus. Voilà la persécution, comment elle commence. Donc si quelqu'un, un chrétien, est chez lui tranquille, tranquillos, chez lui, tout ça, sois pas inquiet, mon ami. Tu ne seras pas touché, tu ne seras pas inquiété. Mais si tu te lèves pour commencer à prêcher la parole, pour commencer à annoncer la résurrection, annoncer le royaume des cieux, là, mon ami, c'est là que tu auras les problèmes véritables. C'est là que tu vas commencer à être persécuté. Donc l'église qui sera persécutée, c'est l'église qui prêche Jésus, mes amis. C'est l'église qui vit Jésus. Voilà cette église véritable qui passera par la persécution. C'est celle-là. Ce n'est pas une église refroidie. Ce n'est pas une église compromise. Ce n'est pas une église qui est dans le péché. Une église qui est tiède. Une église qui a peur de parler de Jésus. Cette église-là, là, elle sera bien vue. Elle sera très bien vue, mes amis. Vous voyez? Mais l'église qui prêche Jésus, celle-là, elle sera attaquée de tous les côtés. Et c'est les religieux qui ont attaqué les premiers chrétiens, mes amis. C'est bien les religieux. Hein.
Ce n'est pas les païens, c'est les religieux qui ont attaqué les chrétiens qui prêchaient l'évangile. Donc en gros, on voit par là que la persécution a commencé dans le milieu chrétien. Les religieux là, chrétiens, religieux, ça a commencé comme ça, la persécution. On le voit dans acte 1. Voyez? Waouh! C'est terrible, frères et sœurs. Voyez? Waouh. Et on voit par là, on peut continuer à le lire, hein, dans acte 4, verset 13 toujours. Et verset 13, acte 4, verset 13 dit quoi? Mais voyant l'assurance de Petros et de Johanan, voilà Pierre et Jean, voilà, ayant compris que c'était des hommes illettrés, ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yeshua. Et voyant là debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à opposer, mais ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin. Ils délibèrent entre eux en disant, que ferons-nous à ces hommes? Voilà comment la persécution commence. Que ferons-nous à ceux qui prêchent Jésus? Que ferons-nous à ceux qui annoncent la vérité, qui prêchent la croix? Que le ferions-nous? Voilà ce qui est arrivé à nos frères qui prêchaient la croix, qui prêchaient Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a en effet été accompli par leurs moyens. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Ils ne peuvent pas nier qu'il y a un miracle et des choses qui sont passées. Ils ne peuvent pas le nier. Mais malgré ça, il dit quoi, verset 17? Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que les gens viennent à Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas que les gens suivent Jésus, adorent Jésus. Donc ils ont voulu étouffer ça, mes amis. Voyez? Voyez? Verset 18. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Yeshua. Donc regardons comment les apôtres, les grands apôtres, nos aînés, nos frères, nos modèles, voilà, qui nous ont précédés, regardons comment ils ont agi devant la persécution, mes amis. Voyez? Il dit, mais Petros et Johanan leur répondirent et dirent, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais eux, en y joignant des menaces, ils les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui était arrivé. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Elohim et dirent, « Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. » Waouh, ils ont glorifié le Seigneur. Ils n'ont pas dit, Seigneur, on a peur. Seigneur, où est-ce qu'il faut qu'on parte? Seigneur, tu sais, on va t'attaquer. On est persécuté. Seigneur, tu sais, aide-nous. Voilà, on a un peu peur. Tu sais, non. Verset 25. Et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles haï les peuples? Ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Machia. Car contre ton Saint-Fils Yeshua, que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. Donc en fait, les choses, le Seigneur, ben, c'est lui qui ordonne les choses, c'est lui qui décide quand les choses arrivent. Voyez? Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec assurance. Donc dans la persécution, on doit prier encore pour qu'on puisse encore annoncer quoi? L'évangile. Alléluia. Donc quand la persécution, elle vient, il ne faut pas s'arrêter, mes amis. Il faut prier encore que le Seigneur nous donne de la force pour annoncer le message, l'évangile. Parce que s'il n'y a plus l'évangile, parce que si on n'annonce plus l'évangile, frères et sœurs, mais en fait notre vie sur la terre, elle sert à quoi? Je dirais même mieux, si on ne vit pas l'évangile, si on ne pratique pas la parole du Seigneur, à quoi sert notre vie sur la terre, frère? On va tourner en rond, on va galérer, nous serons des on va errer ici et là sans vision.
voyez, donc la vision première, c'est pratiquer la parole. La vision première, c'est de mettre en pratique la parole de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, on doit, comment dire, mettre sa parole en pratique. Se battre pour mettre sa parole en pratique. Vous comprenez? Donc en fait, on voit par là que devant la persécution, ils ont prié pour qu'ils puissent encore annoncer la parole, mes amis. Waouh! Ils n'ont pas cherché une issue. Voilà, parce que la pensée que je viens d'avoir tout à l'heure, c'est quoi? C'est que le Seigneur, ben, il a un travail à faire dans tel ou tel lieu. Comme Paul, il a dit à Paul, j'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple nombreux à libérer. Il lui dit, j'ai un peuple nombreux à libérer. Donc voilà, il n'a pas dit à Paul de ne pas aller. Parce que Paul avait le Seigneur avait un peuple nombreux à libérer dans tel ou tel lieu. Voilà, et il a dit à Paul, voilà, qu'en gros, il sera avec lui. Il sera avec lui. Vous voyez? Waouh! On peut le prendre, enfin voilà, on ne va pas forcément prendre le passage qui en parle. Mais pour vous dire en fait que le Seigneur, comme il avait un peuple nombreux à libérer, eh bien, il a parlé à Paul. Il a parlé à Paul et Paul, il a continué le travail malgré qu'il ait été persécuté, malgré qu'il y avait des attaques, malgré qu'il ait été frappé, flagellé, etc. Il devait payer ce prix. Donc, il y a des hommes et des femmes qui doivent payer un prix. Il y a des chrétiens ici et là où le Seigneur les positionne qui doivent travailler malgré la persécution, malgré les combats, doivent travailler pour que le peuple soit libéré, frères et sœurs. Vous comprenez? Parce que si personne ne travaille, si personne ne prêche, si personne ne se lève pour le Seigneur, quand le Seigneur leur dit de se lever, bien sûr, de se lever, qui va se lever, mes amis? Qui va se lever? Qui va prêcher? Qui va agir? Vous comprenez? Alléluia. Et verset 29, il dit, « Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance en étendant ta main afin qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Yeshua. » Et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Mes amis, vous voyez? Donc, quand on s'unit pour le Seigneur, quand on prie le Seigneur, frères et sœurs, ça va trembler, mon ami. Ça va trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. Donc, quand la persécution vient, quand il y a les combats, etc., on doit prier encore, mes amis. On doit prier encore le Seigneur pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous donne la force pour pouvoir, comment dire, travailler encore, tenir ferme encore, être dans l'assurance encore. Vous comprenez? Et on voit par là que même le Seigneur Yeshua, hein, on a vu par là que lorsque les Juifs ont voulu le faire crucifier, on le voit dans... On va prendre le passage rapidement. On va voir Pilate ce qu'il a fait dans Matthieu 27 au verset 24. Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple en disant, « Je suis innocent du sang de quoi ? De ce juste. Cela vous regarde. » Donc on voit par là que la persécution a commencé avec les religieux. Si on peut représenter cela dans la chrétienté, c'est là que la persécution a commencé. C'est là que c'est comme si des chrétiens vont livrer d'autres chrétiens devant les magistrats, devant les juges. Et même le juge va dire qu'il n'a rien fait de mal. Donc en gros, c'est pour dire que c'est les religieux qui ont vu le péché et qui ont vu le mal en Jésus, alors que Jésus était saint, parfait. Mais c'est eux qui ont vu le mal. Et Pilate lui-même, qui était un païen, un converti, leur dit, il n'a rien vu trouver de mal dans ce juste. C'est terrible, frères et sœurs. Voyez, donc voilà, je pense peut-être si le Seigneur permet, on va refaire d'autres partages sur ce thème-là. Voyez, c'est moi le Messie. Voilà, s'il permet le Seigneur, bien sûr. Et en tout cas, voilà, de faire attention, veillons pour ne pas, tomber dans des doctrines, tout ça, parce que je vous dis la vérité, c'est si on est troublé là, c'est compliqué. Notre trouble, on peut le partager aux autres, tout ça, et d'autres commencent à être troublés aussi, pareil. Et en vérité, même les païens que vous nous voyez, ils vont dire, mais ils ne sont pas croyants ceux-là. Ce n'est pas des gens qui prêchent Jésus, qui priaient leur Jésus, tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui leur arrive là? Vous voyez, ça peut... Même nos familles qui ne sont pas converties peuvent dire, mais ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont paniqués? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Et les gens vont dire, mais c'est quoi cette doctrine? C'est quoi? C'est écrit dans leur Bible, ça, c'est ce que la Bible dit de faire, tout ça. Et ça peut commencer à créer des... Je vous dis, c'est compliqué.
Donc voilà pourquoi nous devons rester dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, que les gens le croient ou pas, eh ben, quand tu prêches la parole, eh ben, ça a un sens dans leur cœur. Ils vont dire non, c'est faux, mais ils savent que c'est vrai, mais ils ne vont pas le dire. Vous voyez, parce que tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité. Donc même parfois, souvent, que le Seigneur permet, on prêche la parole. Des gens, ils disent, je ne suis pas d'accord, mais c'est la vérité. Souvent, ils disent, quoi, je ne crois pas dans ton Dieu, là, mais ce que tu dis, c'est la vérité. Mes amis, Jésus ne ment pas, en fait. Tout ce qu'il fait est vrai, tout ce qu'il fait est bon. Un jour, quelqu'un voulait me taper dans un train. Un musulman s'est levé, il a dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, mais il y en a un qui le touche, là, c'est comme s'il me touche. J'étais choqué, frère. Pourtant, j'ai dénoncé beaucoup de choses. Il était prêt à me défendre parce que ben, c'est la parole, frère, la parole agit pour vous, pour nous. La parole a des effets pour nos vies. Donc voilà pourquoi la parole qui est l'évangile, en fait, il faut la vivre correctement, entièrement. Et on est en sécurité en la parole, dans la parole. Et c'est ça la foi. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Waouh, c'est beau ça, ce message. Mon juste vivra par la foi. Aujourd'hui, la foi de beaucoup de chrétiens, elle a disparu ou elle se refroidit par rapport... En fait, je veux dire quelque chose aussi, entre parenthèses. Moins on vit les choses avec le Seigneur, moins on expérimente le Seigneur, et bien plus, en fait, on aura des peurs, on va agir comme le monde. En fait, on sera dans la panique totale. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas été habitué au combat, habitué à la pression, habitué aux attaques, habitué tout ça parce que ben, le travail de l'évangile a été pour beaucoup ben, mis aux oubliettes, dans le placard. Aujourd'hui, nos églises sont habituées au dimanche, les rassemblements du dimanche. Mais le travail quotidien avec le Seigneur, dans l'intimité, toutes ces choses, la parole, la prière, voilà, prier le Seigneur, être conduit par le Seigneur ici et là, eh ben, c'est quelque chose qui a disparu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conduits par l'Esprit, mais sont conduits par eux-mêmes en fait, en vérité. Et pensant que la Bible, c'est quoi? Ben, c'est se réunir à l'église tous les dimanches, bien maquillé, bien habillé, tout ça, chanter, alléluia, tout ça, gnagnagna. Et ça s'arrête là, mes amis. Et très peu ont été habitués au quoi? Comment dire, à vivre l'évangile véritable. Le vrai évangile, là, c'est comme là, on l'a lu dans Acte 4. C'est ça le vrai évangile, frère. Elle amène la persécution, vous comprenez? Et aujourd'hui, ben, les gens ont peur d'être persécutés parce qu'ils pensent que le Seigneur ne va pas les protéger, ils vont mourir, ils vont se faire attaquer. Mes amis, mais c'est terrible ça. L'évangile véritable, frères et sœurs, quand on la vit, le Seigneur, il a sa main sur nos vies, sa main sur l'Église. Alléluia. Vous comprenez? Il nous demande de simplement vivre sa parole et de faire ce qu'il te demandera de faire. Va pas faire comme moi je fais, va pas comme le frère fait, comme la sœur elle fait. Fais comme Jésus va te dire, parce que le Seigneur, il est fidèle. C'est lui, notre Père céleste, c'est lui. Notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est aux cieux qu'on doit invoquer pour qu'on puisse avoir notre pain quotidien. Vous allez me dire quel pain? Pain physique ou pain... Le Seigneur est fidèle, frère, en toute chose. Alléluia. Pain physique ou pain spirituel, ben, c'est lui qui est au contrôle. S'il n'est pas là, ben, on ne peut pas se lever pour aller travailler. S'il n'est pas là, ben, on ne peut rien faire. Tout n'est que pour lui, tout est pour lui. C'est lui qu'on doit glorifier, frères et sœurs. Alléluia. Donc, voilà. Ceux qui étaient troublés, soyez pas troublés. Le Seigneur le dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit, c'est la Bible. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé quelque chose. La parole dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais on doit obéir à ce que la parole dit. On doit s'efforcer à être enraciné en lui. Voilà, à s'approcher de lui, pour qu'on puisse avoir cette assurance que Pierre avait, que les apôtres avaient, que l'Église avait, et qu'on puisse vivre selon la parole, selon l'Église, frères et sœurs. Vous voyez? Et notre exemple, ben, c'est toute la Bible, bien sûr, mais l'un des exemples aussi très importants pour l'Église, c'est aussi comment l'Église primitive est née et qu'est-ce que l'Église primitive a vécu. Donc, s'ils ont vécu ça, ce sera pire à notre génération. Nous n'y échapperons pas. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécuté. Donc, frères et sœurs, tu veux vivre en Jésus-Christ, vivre en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Viens à Jésus-Christ, tu seras persécuté. Si on te dit, viens à Jésus, tu auras la belle vie, tout ira bien, tu vas te reposer quelque part, bien profiter de la... Mon ami, ça, c'est pas le vrai évangile, ça. C'est pas ce que dit l'évangile. Non. Viens à Jésus-Christ, tu vas être persécuté, mes amis. Vous voyez? C'est terrible, ça. Dernièrement, je partageais quelque chose sur l'entrepreneuriat. Par rapport à ma boîte, on va manger tout ça, des produits antillais, bon, quitte tout ça.
Donc, il y a un monsieur, un client, qui vient souvent manger chez nous, vous comprenez? Qui vient souvent manger chez nous, etc. Il nous a demandé du feu. J'ai dit au monsieur, non, je ne te donnerai pas de feu, je ne vais pas participer à ton cancer, moi. Et il pensait qu'on rigolait, quoi. Il pensait qu'on rigolait. Et je lui ai dit, non, je ne donnerai pas de feu. Il m'a dit, oui, mais ton allume-cigare, tu peux. J'ai fait, non, tu n'auras pas de feu. Et on a commencé à lui prêcher la parole avec mon frère Ulrich, lui prêcher l'évangile. Et monsieur n'était pas d'accord, il commençait à se fâcher, tout ça, il commençait à s'énerver. Mes frères, il a vu que c'était pas une blague. Et même s'il ne revenait plus, c'était pas notre problème. Parce que ben, on veut obéir au Seigneur, on veut pas être dans la compromission, on veut pas être dans ces choses. Donc donner du feu à un fumeur, frère, on va faire ça comment ça? Vous comprenez? Donc il pensait qu'on rigolait. Et un autre jour, il est revenu, hein, il est revenu. Il est encore revenu, encore revenu, encore revenu, frère. Vous voyez? Parce que ben, c'est la parole qu'il a touchée, il s'est rendu compte que ben, c'est la vérité. Qu'il nous dise ou pas devant nous, il sait que c'est vrai. Et agir comme ça envers lui, ça peut que le prouver de l'amour véritable, mes amis. J'ai demandé du feu à quelqu'un, il a refusé pour ma santé. Mais il va se poser des questions, vous comprenez? Et lui-même disait aux gens autour, ah non, ici, il n'y a pas de bière ici. Ici, c'est Jésus, ça parle de diable, Jésus, tout ça. Il n'y a pas de bière ici. Lui-même commence à faire le message autour, tourner autour pour que les gens sachent qu'il n'y a pas de bière ici. Vous comprenez? Vous voyez? Et pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu, quelqu'un que je connais, voilà, je connais, il vient me demander du feu. Voilà. Je lui ai dit non. Voilà, c'est un collègue à moi, bien sûr. Je lui ai dit non, t'as pas de feu. Je te donnerai pas de feu. Du coup, il a commencé à s'énerver, tout ça. Il a commencé à. Il m'a même insulté. Vous voyez? J'ai pas dit, bon, comme il était pas content, je vais lui donner du feu pour qu'il soit content avec moi, tout ça, frère. J'ai dit non, pas de feu, frère, jusqu'au bout, pas de feu. Et demain, il va se poser des questions. Et demain, je lui dirai, mais c'est parce que je crois en la Bible. Et la Bible. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de compromission, ben on va faire comme ça pour faire plaisir. Frère, la Bible, c'est la Bible, vous comprenez? Il y a des choses, on ne peut pas participer, on ne participe pas. Peu importe si on te traite de bizarre, on t'insulte ou quoi. Ah, il m'a bien insulté, j'ai même pas répondu. J'ai laissé comme ça. Pourquoi? Ben parce que je n'ai pas de feu. Il me dit, moi, toi, l'allume-cigare. J'ai fait, non, pas de feu. Pas ni dix fées. Alléluia. Donc voilà un peu pour dire que nous devons prendre position pour la Bible, la parole du Seigneur. Pas parce que nous sommes plus forts que quelqu'un, mais c'est parce que Jésus est mort sur la croix pour nous et que nous avons accepté sa parole et son esprit nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à agir fidèlement selon sa parole. Ce n'est pas de nous-mêmes, c'est son esprit. Alléluia. Donc voilà frères et sœurs, si le Seigneur permet, on va continuer à partager sur ça. S'il y a des questions, ben, posez-les. Il n'y a pas de souci, posez des questions, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais voilà ce que dit la parole de Yeshua de Nazareth, notre Père, notre Seigneur. Et si nous méditons la parole, nous allons voir que le Seigneur nous révèle ben, tout dans sa parole en fait. Alléluia. Et nous devons être proches de cette parole, la connaître, la garder pour savoir comment agir dans des temps qui arrivent, dans des temps difficiles que nous vivons. Qu'est-ce qu'il faut faire en vérité? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire, surtout lui, le Seigneur, pas moi? Vous comprenez? Mais qu'est-ce que dit le Seigneur Yeshua de Nazareth? Alléluia, frères et sœurs. Bonne soirée et à bientôt si le Seigneur permet. Alléluia.